Ce lundi 27 mars, 16 jours de fête chez Kadmerad, l'acteur fête son 59e anniversaire. Le mari de l'animatrice et chroniqueuse Julia Vignali, qui est notamment connue des téléspectateurs pour ses rôles dans les films Mais qui a tué Pamela Rose 2003, Les choristes, 2004, Bienvenue chez les ch'tis, 2008, Le petit Nicolas, 2009, ou encore dans la série Baron Noir, est l'heureux papa d'un jeune homme prénommé Khalil, né en 2004 de sa précédente relation avec l'écrivaine Emmanuel Cosso. Le fils de Kadmerad, qui publie de temps en temps des clichés de lui sur son compte Instagram, est le portrait craché de son papa. Aussi, il semblerait que le jeune homme n'ait pas exclusivement hérité de ses traits, mais également de son goût pour l'art. Vraisemblablement cinéphile et mélomane, mais aussi amateur de véhicules de collection, Khalil partage ses nombreuses passions avec ses abonnés. Sur le même réseau social, dans sa biographie, il se désigne par ailleurs comme un futur auteur et réalisateur. Kadmerad, son fils souhaite être réalisateur au printemps 2021. Kadmerad avait accordé une interview aux Parisiens au cours de laquelle il avait évoqué ce fils qui exprime la volonté d'être réalisateur. J'essaie de le soutenir, avait ensuite ajouté l'acteur auprès de nos confrères. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir une vraie passion, même si c'est difficile. Depuis plusieurs années, maintenant, Kadmerad partage la vie de Julia Vignali, qui est maman d'un adolescent prénommé Luigi, avec laquelle il forme une famille recomposée. Le couple s'est marié secrètement au cours de l'automne dernier, dans une petite commune de Saône-et-Loire composée de 263 habitants. Depuis, les deux amoureux semblent plus unis que jamais. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, capture Instagram @lilka2004, Khalil Merad. Keep